Si mes souvenirs ne mentent pas, c'est très certainement avec la Féline que j'ai rencontré Paul Schrader et surtout Giorgio Moroder, chef d'orchestre électro d'une bande-son assez hypnotique qui enveloppait littéralement Nastassia Kinski. C'est surtout la chanson de David Bowie, Putting Out of Fire, mise en scène par Moroder, au générique de fin, qui m'avait totalement captivé. Juste après, j'ai vu American Gigolo, le film précédent de Paul Schrader, et cette fois, c'était la voix, à la fois froide et chaude, de Debbie Harry, qui m'avait gravement séduit et qui allait comme un gant à la Californie hédoniste de Richard Gere. Dans mon voyage musical, au cœur du cinéma de Schrader, j'ai vite croisé Jack Nitzsche, ancien compagnon de route de Phil Spector, qui s'était chargé de la BO de Hardcore, passant sans transition de l'ambiante au blues rock, en compagnie d'un de mes acteurs de prédilection, le grand George C. Scott. Le même Jack Nitzsche avait juste avant composé la musique du premier long métrage de Paul Schrader, Blue Collar, et surtout la chanson du générique, interprétée d'une voix indescriptible par l'immense Captain Beefheart. I'm a hard-worked fucking man, 6 foot solid from the ground. Avec Schrader, au fil du temps, je suis allé de surprise en surprise. Surprise d'écouter du Philip Glass sur les rituels vestimentaires de Mishima. Ou sur la vision très stylisée de ce jeune homme quelque peu intimidé, c'est le moins qu'on puisse dire. Au passage, sûrement la meilleure musique de cinéma de Phil Glass. Autre surprise, celle de me trouver nez à nez avec Angelo Badalamenti. Dès le générique de The Comfort of Strangers, en français ça s'appelle Étrange Séduction, dans une partition majestueuse et assez envoûtante qui semblait tout droit sortie d'un opéra italien. Mais aussi, un style plus orientalisant, illuminant Venise sous les yeux d'un Rupert Everett encore insouciant. Avec Badalamenti, Schrader avait fait un petit bout de chemin. La preuve, dans Autofocus, cet instant bleuté qu'on croirait tout droit sorti de Lost Highway. Ou encore la chanson d'ouverture des Amants éternels, qu'on appelle aussi Vengeance intime, interprétée par une chanteuse inconnue de mes services, mais très convaincante, Shanna. Voire même dans le curieux préquel de l'Exorciste, Dominion, réalisé par Schrader 30 ans après le film de Friedkin. Sinon, Schrader, décidément très éclectique, avait croisé brièvement Gabriel Yared dans le curieux Adam Resurrected, sans doute pour des raisons moyen-orientales. Mais je préférais nettement la BO de Patty Hearst, dans laquelle le compositeur minimaliste Scott Johnson avait su tresser quelques textures musicales du meilleur aloi, notamment dans cette séquence de braquage où l'on voyait la jeune Miranda Richardson, alias Patty, en pleine action. No shit! We the SLA and this is Patty Hearst! 9, number 9! SLA! This is Patricia Hearst. Tanya, Une musique que j'ai tendance à rapprocher de celle de Michael Brooks pour Affliction, un des meilleurs films de Schrader, surtout dans cette séquence anxiogène de poursuite nocturne.
your first response to the shooting was the correct one. Your friend, I think, Jackie. He was my favorite. Money. Hunting accidents. But it wasn't an accident. It wasn't me. I wasn't there. The truth. À part ça, j'aimais bien cette entrée en scène de Willem Dafoe et Susan Sarandon dans Light Sleeper, au son de cette chanson de Michael Biehn. C'était en 1992. Et 30 ans plus tard, Schrader, fidèle à la famille, avait demandé au fils, Robert Levon Biehn, de composer la musique et les chansons de The Card Counter. J'aimais particulièrement ce moment dans lequel un autre couple passe sous cette voûte étoilée à souhait. Dans les deux cas, j'étais totalement en phase, et d'ailleurs, ces deux films avaient effectivement un air de famille. Chez Paul Schrader, la musique prenait souvent les allures d'un rêve ou d'un cauchemar, comme dans Forced Reform et cette scène de lévitation qui m'avait fait bien planer. Dans The Walker, c'est Woody Harrelson qui rêvait au son de la musique d'Anne Dudley. Et dans Dog Eat Dog, cette séquence de fusillade rose-rouge en chanson avait bien sûr quelque chose de complètement onirique. Ce qui m'avait fait penser à cette balade en voiture orangée avec Lindsay Lohan dans The Canyons, toujours en chanson bien évidemment. Puisqu'on trouve à peu près toutes les sortes de musique chez Paul Schrader, j'avais même rencontré Dave Grohl, figure du grunge et leader des Foo Fighters, sur la bande-son de Touch. J'allais oublier le film le plus directement musical de l'ami Schrader, Light of Day, avec une autre rockstar en chair et en os, Joan Jett, qui formait un groupe très sympathique avec Michael J. Fox. Bon, tout ça m'avait forcément donné envie de danser, et là, rien de mieux que ce Love and Passion de Cheryl Barnes dans American Gigolo, musique Giorgio Moroder, parole Paul Schrader, et oui. Dans un genre assez voisin, il y avait aussi le Rock the Boat de US Corporations dans Les Amants Éternels, alias Vengeance Intime. Le public n'était pas tout à fait le même, mais ça marchait à tous les coups. Tous ces gens qui se trémoussaient m'avaient fait penser à ces scènes de striptease que Schrader aimait visiblement. Dans Autofocus, par exemple, dans un registre plus stimulé dans Dog Eat Dog. Mais ma préférée, c'était évidemment cette version disco de Star Wars dans Hardcore. Un must. Bon, évidemment, chez Paul Schrader, homme des paradoxes, et particulièrement dans Hardcore, il y avait aussi l'harmonium et les chants d'église. Chants d'église qu'on retrouvait également dans l'impressionnant First Reform. Évidemment, j'aurais pu en rester là, apaisé, retrouvant mes racines religieuses. Mais non, j'avais finalement décidé de rejoindre une autre église et un autre genre de chanson, celle de Robert Levon Biehn dans The Card Counter. But I need some rapture.
Je replongeais dans la perdition, en musique comme il se doit. J'étais devenu un héros de Paul Schrader et je ne m'en plaignais pas, bien au contraire. And it was you like a gun.